En fait, c'est, ce qui m'intéresse, c'est aussi la charge spirituelle qu'il y a aussi à travers le Dreamcatcher. Il y a aussi le côté graphique, il y a aussi toute la symbolique aussi de l'attrape-rêve aussi. Et voilà, c'est une rencontre plutôt qu'un élément que j'ai dans ma tête. Et voilà. Je crois que la peinture, c'est toujours un dialogue, hein, c'est toujours une part de rêve qu'on transporte. Et c'est ça l'échange qu'il peut y avoir. Aux États-Unis, sur les terres indiennes, en Arizona, au Mexique, chez les Hopi, chez les Zuni, Navarro. Alors on les retrouve un peu partout, jusqu'au Canada aussi. Voilà, en fait, il y a toutes sortes de Dreamcatchers aussi. En fait, c'est une sorte de nasse, en fait, qui, un peu comme les nasses de pêcheurs, en fait. Il y a une sorte de filet, comme ça, et le rêve est capturé. Voilà, c'est la capture des choses. Et je crois que la peinture, c'est ça aussi. On capture aussi. On capture aussi des images, on capture du sens. Hein. Voilà, c'est pour ça que même les images qui sont au fond, la photographie pour moi un support, c'est pas une finalité, c'est pas l'image qui m'intéresse, parce qu'en fait les images elles sont. Parce que là on voit par exemple une image du pont de San Francisco, il y a un Dreamcatcher, donc en fait il y a des lieux complètement antinomiques et qui peuvent cohabiter ensemble. Quoi, dire. Et c'est la peinture qui va faire le lien, c'est la peinture qui va redonner du sens à ces images, quoi. Il y a ces lieux. Thank you.
l'agriculture aussi différente, comme ici, celle qu'on vient de faire. Là, c'est une image qui vient de Miami, mais peu importe, ça peut être une image de rêve, un peu à la Fellini, je veux dire, ce grand bateau, je crois que c'est dans le film de Roma. Quand ils arrivent tous, la nuit, il y a un grand bateau comme ça qui doit arriver, alors qu'ils arrivent tous avec des barques et tout, et cette magie, en fait, ils voient presque rien parce qu'il y a tellement de brume énorme et tout, et on voit que des petites lumières et tout. Donc en fait, c'est ça, c'est toujours une projection qu'on fait. Même quand Fellini, il fait une mer, hein, il la fait en plastique, je veux dire, c'est quand même une mer, c'est ça aussi. C'est ce qui est intéressant aussi. Dans la peinture aussi, c'est montrer qu'en fait, un bateau, c'est pas forcément un bateau, quoi, je veux dire. Voilà, et le cygne est là pour perturber, pour redonner un autre espace, un autre rêve. Dire, voilà, la peinture, ce que je crois, c'est Léonard de Vinci qui disait la peinture, c'est du rêve en image. La couleur aussi fait partie, c'est-à-dire c'est une musique aussi la couleur, c'est une résonance, donc je crois qu'il faut lui donner corps aussi à la peinture. Je me sens pas du tout matérialiste. Donc ce qui est important, c'est d'arriver à rentrer dans la photographie, à lui donner cette profondeur, comme une profondeur de champ avec l'appareil photo. On retrouve ça aussi. Donc la disparition, l'effacement, le recouvrement, et ce sont toutes ces strates qui m'a donné cette distance, quoi, que je peux avoir par rapport à la photographie, à la peinture. Voilà, c'est un peu comme un sculpteur. Il y a des sculpteurs qui sont plus en volume, et d'autres sculpteurs qui sont
qui enlève, un peu comme Giacometti par exemple, il enlevait, il arrivait presque à une sorte de silhouette filiforme qui était juste une sorte d'ombre. Plus non, ce rapport-là avec la peinture que la surcharge de matière des artistes, un peu comme ta pièce qui a rajouté du sable, qui a rajouté des matériaux. Voilà, mais ça, c'est notre école, c'est notre histoire. C'est pour ça que la photographie nous donne pour moi, j'allais dire, une modernité. C'est pas l'image qui m'intéresse, c'est surtout le rapport du. De quelque chose qui glisse, qui est presque pas très bien. Que la photographie me donne pour moi, j'allais dire, une modernité. C'est pas l'image qui m'intéresse, c'est plutôt le rapport de quelque chose qui glisse, qui est presque matériel, quoi. Et qui s'efface. Parce que la photo, c'est vrai que c'est je parle du noir et blanc, et c'est un effacement de l'instant, c'est un effacement de la vie, quoi. Je veux dire, on saisit, donc on fait mourir l'instant. Moi, par la couleur, vraiment, j'essaie de lui redonner vie, mais dans le temps et l'espace.
que chaque plan, chaque partie soit aussi autonome, c'est-à-dire qu'elle puisse exister toute seule aussi. C'est-à-dire que c'est ce qui crée l'unité. Voilà. C'est la vie. De se penser toujours quand une toile est finie ou pas, c'est vrai qu'on pourrait les... mais après il y a une surcharge, après moi ce qui m'intéresse aussi qu'il n'y ait pas de remords, et c'est vrai qu'il y a toujours un équilibre à trouver, pas qu'il y ait justement cette surcharge. Ouais, justement la massothérapie est ne permet pas justement de revenir dessus. Ce sont des encres qui rentrent dans l'émission de la photographie et donc en fait qui empêchent un repentir. Voilà. Même le geste aussi, parce que je suis quand même un artiste qui est gestuel, même si. Même si je me défends en étant j'espère. Voilà. Donc, voilà. C'est quand même. C'est l'espace, c'est comme une sorte de chorégraphie sur une œuvre. Et en fait, c'est un dialogue, c'est un face-à-face. C'est,
C'est comme une piste de, j'allais dire une piste de danse, c'est-à-dire où on est deux à danser, on ne peut pas danser tout seul, quoi. Alors c'est un jeu de miroir et là c'est narcissique. Voilà. Donc le tableau, c'est un dialogue, il y a un rapport, je veux dire presque un rapport amoureux aussi avec l'œuvre, il y a une réponse, je suis obligé de lui donner une réponse aussi.
Mmh.